Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Philippe Brault dans un café parisien près de la place de la Bastille. Liban, Guatemala, États-Unis, Philippe Brault a beaucoup voyagé, il a réalisé des reportages sur plusieurs continents. Il fait partie du collectif L'œil public jusqu'en 2010, puis il a rejoint l'équipe de l'agence Vue qui est basée à Paris. En 2011, avec David Dufresne, il réalise Prison Valley, un web documentaire sur l'industrie de la prison aux États-Unis. Ce travail a reçu de nombreuses récompenses, notamment celui du World Press Photo dans la catégorie interactive. Plus récemment, il a participé à Fort McMonnet, toujours avec son collègue David Dufresne, sur l'exploitation des sables bitumineux au nord du Canada. Mais je crois, Philippe, que tout au début de votre biographie, il y avait un intérêt particulier pour les albums photos que vous avez vus, ceux de votre grand-père, et qui ont éveillé votre intérêt pour la photographie. Est-ce qu'on pourrait commencer par là ? Alors oui, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir un de mes oncles qui avait gardé toute une véritable mine d'or dans une armoire. Des photos de mon grand-père. Alors moi, je suis issu d'une famille où mes parents m'ont eu assez tard. Donc mon grand-père exerçait la photographie au début du XXe siècle, notamment en Chine, en Afrique et en Chine. Et il n'est pas très connu parce qu'il était médecin et qu'il avait cette passion de la photographie. Et donc on a une mine d'or à la maison de plaques de verre, notamment au moment de la Révolution chinoise, etc. Donc là, moi, j'ai découvert qu'avec la photographie, on pouvait raconter des histoires extraordinaires. Donc il y avait ça, il y avait aussi les magazines que ramenait mon père de voyage, qui voyageait beaucoup. Donc les Paris Match, les Life de l'époque, etc. Et voilà, tout ça a bercé mon adolescence. Ouais. Si je fais référence à ça, c'est aussi parce que je crois que ça m'impose un rapport avec le temps. Et tu aimes bien travailler en prenant du temps par rapport aux histoires sur lesquelles tu enquêtes. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses davantage à ce temps long ? Est-ce que l'actualité chaude, ça t'intéresse moins ? C'est-à-dire que je pense que l'actualité chaude, j'ai pu ressentir dans mes premières expériences photographiques, notamment une que j'ai eue pendant la guerre du Liban, parce que j'étais militaire, je n'étais pas photographe, mais j'avais quand même un appareil photo avec moi, et je me suis très vite rendu compte que finalement dans le ce qu'on appelle le hot news, je serais pas très bon, parce que c'est pas mon truc, je suis quelqu'un d'assez lent, j'ai besoin de poser mon regard sur les choses, et du coup c'est pas pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui le font très bien, et pour moi, il est hors de question d'aller sur un terrain où, de toute façon, je ne pourrais pas être au mieux, si vous voulez. Donc moi, j'ai besoin de prendre du temps. Les photos du grand-père en question, qui est photographié avec un trépied, évidemment, à l'époque, m'ont inspiré et m'ont peut-être aussi influé un petit peu sur cette idée de prendre le temps de regarder, de prendre le temps de cadrer, de prendre le temps de choisir l'image, la bonne image. Quoi. Voilà. Le temps, la façon de comprendre ton travail, ton parcours en se posant la question du temps, ça peut aussi tirer une relation avec la technique de la photo argentique. Parce que je crois que pendant longtemps, tu as estimé qu'il fallait continuer à travailler en argentique avant de petit à petit commencer aussi à travailler en numérique et notamment par les productions multimédia. Comment es-tu passé ? As-tu fait cette transition de l'argentique au numérique ? Ça a été pour moi très compliqué. Parce que évidemment, comme tout le monde, j'étais contraint comme photojournaliste. Pour continuer à travailler avec la presse, j'étais contraint de passer au numérique à partir de... On a commencé à nous contraindre réellement en 2008. Donc c'était ce qui était déjà tard. Mais moi, en 2008, j'ai refusé de... Enfin, j'ai fait une commande en numérique. C'était même pas une commande, d'ailleurs, c'était une auto-commande, parce que c'était moi qui m'étais commandé, pour l'élection d'Obama. Et je suis parti aux États-Unis pour ça, et mon appareil numérique est tombé en panne. Enfin voilà. Mais c'était pas seulement l'histoire de cet accident de panne, c'était plus que l'idée du numérique, c'est que j'avais un problème avec l'image immédiate. Donc pendant très longtemps, au tout début du numérique, j'ai mis un scotch noir sur l'écran, puisque pour m'empêcher de regarder, parce que comme tout le monde, j'avais cette curiosité de regarder comme on regarde sur les téléphones maintenant. Et moi, l'idée de perdre cette boucle dans le ventre qu'on a quand on est en reportage en argentique, qu'on accumule les films pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, qu'on revient chez soi, qu'on amène ça au labo,
qu'on récupère et jusqu'au moment de voir les planches contact et découvrir le travail, cette espèce de boule dans le ventre, cette excitation vraiment qui quasiment identique à celle de la photographie qui apparaît dans un bac, dans un labo, ça c'était perdu. Et donc il y avait toute une magie qui disparaissait en même temps que ça. Et je pense qu'aussi, si on parle de narration au niveau de construire une histoire avec la photographie, quand on était en argentique, moi je sais que le soir dans ma chambre d'hôtel, j'essayais de me remémorer les photos que j'avais fait la journée et ce qui me semblait être les bonnes photos. Pour savoir, bon, ça c'est fait, ça je l'ai fait, ça je pense que je l'ai, donc demain je travaille là-dessus, etc. En numérique, on a le résultat immédiat et le soir même, on est sur l'ordinateur en train déjà d'éditer. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans la même approche. Alors, le numérique est un objet absolument fabuleux pour plein de raisons, mais je crois qu'il a fallu réapprendre un petit peu à travailler dans la mesure où il a fallu, enfin pour moi en tout cas, il a fallu que je me réapproprie cette technologie-là. Mais un peu comme recommencer à zéro, en fait. Il a fallu, à un moment donné, enlever le scotch que tu avais mis sur l'écran. Alors, à quel moment tu as fait ça? Le scotch sur l'écran, je l'ai enlevé tout simplement avec Prison Valley, puisque Prison Valley, j'ai utilisé l'appareil photo, le même appareil photo pour photographier et filmer. Et on était au tout début des appareils des Canon qui faisaient les deux. Enfin, c'était vraiment le tout début en 2010. Et là, évidemment, j'étais obligé d'enlever le scotch parce qu'il fallait bien que je vise quelque part pour filmer. Donc ça a été la bascule. Voilà. Mais sinon, j'ai eu quand même toujours cette... j'ai toujours mes appareils argentiques. J'en fais peu parce que... les derniers travaux m'ont pas permis de les utiliser réellement. Mais j'ai toujours cette... C'est pas de la nostalgie, hein, c'est juste que c'est une autre manière de travailler, tout simplement. Je continue mon questionnement de ton travail par rapport à la question du temps. Dans le multimédia, il est extrêmement important de choisir la forme. Comment est-ce qu'on présente son récit à son spectateur? Mais parfois, on a un peu l'impression que des productions peuvent accorder plus de place à la forme au détriment du contenu, du temps nécessaire pour travailler à l'enquête, chercher les bonnes informations. Comment est-ce que tu procèdes? Combien de temps, d'énergie accordes-tu à la recherche de l'information? Alors, il y a vraiment deux choses, parce que le multimédia et le web documentaire, donc si on prend l'exemple de Prison Valley, par exemple, c'est un travail d'équipe. Donc là, le photographe qui est habituellement un solitaire, tout d'un coup, est obligé de travailler en équipe d'une manière ou d'une autre. Donc là, en l'occurrence, la première personne, c'est David Dufresne pour Prison Valley, puisqu'il est journaliste et c'est un journaliste d'investigation. Donc c'est lui qui va mener l'enquête, qui va aller chercher l'information, qui va aller vérifier, savoir si tout ce qu'on nous a dit, ça tient la route, etc. etc. et qui va aller essayer d'aller trouver les bons protagonistes pour aller mener les bonnes interviews, etc. Et moi, je m'occupe en co-réalisation de toute la partie visuelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on raconte cette histoire. Et là, en l'occurrence, ça me prend aussi beaucoup de temps parce qu'il faut que je m'informe autant, d'une certaine manière, que lui sur l'histoire du lieu, sur l'histoire des gens, sur etc. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, mais qui prend en effet beaucoup de temps et qui est primordial parce que un bon web documentaire aujourd'hui ou un bon récit multimédia, qu'il soit linéaire ou pas, qu'il soit totalement de forme éclatée, délinéarisée, il tient avant tout à l'histoire qu'on raconte. Le plus important, c'est l'histoire. C'est comme dans le cinéma, c'est comme dans la littérature, c'est comme dans la presse écrite. Dans le journalisme en général, c'est l'histoire qui compte, qui prime. Et c'est comment on la raconte. Et comment on la raconte vient après. Alors si on a une bonne histoire, basée sur une bonne enquête, et qu'en plus, on cherche à faire la meilleure image possible, pour la rendre agréable au spectateur, là c'est gagné. En revanche, si on fait les choses à moitié, c'est-à-dire que si on a une bonne histoire, mais qu'on la sabote en termes d'image, ça va être quand même plus compliqué. Il faut vraiment que l'histoire soit très bonne pour tenir la route. Et inversement, si l'histoire est faible, on aura beau faire tout ce qu'on veut et faire les plus beaux travelling et les plus belles interviews, ça ne marchera pas non plus. Donc il faut arriver à se trouver ce petit entre-deux, voilà. Mais l'enquête est primordiale parce que ça, c'est comme, je pense, pour un écrivain, pour faire un bon livre, il faut être très bien renseigné.
il faut en avoir lu beaucoup d'autres sur les questions, il faut avoir vu beaucoup de films, etc. Donc c'est... Voilà, c'est ça l'idée. Sur les travaux que tu mènes aujourd'hui, peut-être que tu pourras nous donner un exemple, est-ce que tu travailles à égalité sur l'image fixe et la vidéo, ou est-ce que tu te concentres sur l'un des deux aspects? Comment fais-tu? Quelle est ta préférence? Alors aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment deux casquettes. Parce que je travaille aussi bien en tant que photographe qu'en tant que chef opérateur. Il se trouve que moi, j'ai commencé la photographie... j'ai pas commencé par la photographie réellement. J'ai été passionné de photographie très jeune. Mais avant d'en faire ma profession, j'ai passé un certain temps dans le milieu du cinéma où j'ai été assistant, puis assistant caméra. Enfin, j'ai eu plusieurs postes comme ça. Je me suis occupé de la lumière comme électro, j'étais ouvrier. Et du coup, j'ai cette expérience de caméra qui est restée latente comme ça pendant plus de 15 ans. Et c'est Prison Valley qui m'a permis de reprendre cette idée d'image en mouvement. Et donc l'idée qu'on avait eue avec David, c'était de mêler évidemment l'image fixe et l'image en mouvement. Et aujourd'hui, après ces multiples expériences, j'ai séparé naturellement mon travail de photographe avec de temps en temps juste de la narration photographique et parfois la narration uniquement caméra et parfois les deux. Voilà ce qui se passe dans Format Monet, le dernier, où j'ai utilisé une caméra et un appareil photo. Voilà. La seule grosse différence avec Prison Valley, c'est que Prison Valley, j'avais un appareil qui faisait les deux, qui filmait et qui faisait des photos. Et aujourd'hui, j'ai décidé de séparer les deux outils. J'ai une caméra, une vraie caméra, et un appareil photo qui ne fait que des photos. Et j'ai eu besoin de cette séparation, j'ai eu besoin de séparer les deux objets parce que ça m'aide à savoir en fait avec quoi je travaille au moment où je travaille. J'ai du mal à... Sinon, je pense que ça peut devenir très très compliqué. Et c'est... Voilà, il faut... Je pense que c'est plus simple comme ça, pour moi en tout cas. Format Monet traite d'une question très sérieuse. La question des sables bitumineux au Canada, leur exploitation. Mais le tout est présenté à l'internaute d'une façon très, très ludique. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire aussi, pour des questions sérieuses, de les présenter de façon ludique à un spectateur? Parce que ce serait peut-être la seule façon de l'attirer et de le garder devant l'écran. Alors moi je pense que c'est avant tout la manière de présenter Format Monet. Encore une fois, sur Format Monet, là c'est David qui réalise, moi je l'accompagne à l'image. Donc c'est l'idée du Game Doc, c'est vraiment David. C'est David Dufresne qui a eu cette idée d'en faire un jeu documentaire. Moi je dirais que je ne sais pas si c'est la bonne manière pour présenter les choses, je dis simplement que c'est la poursuite d'une aventure qui est une éternelle recherche. Internet c'est un endroit où l'information est multiple, où il y a mille façons de raconter les choses, et donc c'est encore un énorme laboratoire pour nous. Et je pense que là on s'inscrit vraiment dans l'idée du laboratoire, c'est-à-dire on va chercher et continuer à chercher toujours des façons différentes de raconter les choses sans jamais, en évitant de refaire ce qu'on a déjà fait avant. Donc il ne s'agissait pas de refaire un Prison Valley 2, il s'agissait de refaire quelque chose d'encore vraiment différent. Voilà, donc maintenant savoir si c'est la bonne manière pour parler d'un sujet aussi sérieux que celui des sables bitumineux, oui, c'est peut-être la bonne manière, mais je pense que c'est pas la seule. Je pense qu'on peut aussi faire des documentaires linéaires extrêmement puissants sur cette question-là. Je pense que là, c'est simplement pour nous, en tout cas, et c'est là où je rejoins David Dufresne, c'est l'envie aussi de continuer cette recherche. C'est-à-dire que moi, depuis 2010, depuis Prison Valley, j'ai le sentiment d'apprendre tout le jour. C'est-à-dire de continuer à apprendre. C'est comme si je réapprenais mon métier tout le temps. Chaque aventure, je me nourris, je me sers de ce que j'ai appris pendant de nombreuses années, mais je suis toujours obligé d'apprendre, en fait. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que je ne peux pas me lasser. Donc tant que je suis dans cette optique de recherche, je pense que c'est, voilà, c'est juste formidable et il n'y a pas de raison de changer, quoi. Voilà. Quel est l'aspect sur lequel aujourd'hui tu as l'impression d'apprendre quelque chose, d'explorer quelque chose de nouveau? Je pense que j'apprends sur la construction d'une histoire multimédia. C'est-à-dire que
Prison Valley, c'était relativement... Si on regarde avec 3 ans de champ derrière nous, enfin, c'est à 3 ans pile aujourd'hui, Prison Valley, c'est une arête de poisson. C'est-à-dire qu'on a une histoire qui est l'arête centrale, et puis on a ces arêtes comme ça qui nous permettent d'aller chercher... ce qu'on pourrait appeler vulgairement des bonus, mais c'est pas vraiment des bonus, c'est des plus d'informations sur tel personnage, etc. Donc c'est une narration relativement simple, même si elle est multimédia, puisqu'elle est mélangée photos et vidéos. Fort McMoney, elle est beaucoup plus éclatée. Et elle est surtout multiple, c'est-à-dire que chaque internaute va faire un parcours différent. Il va pas poser les mêmes questions au personnage, puisqu'on a... David a choisi de poser 1000 questions à chaque personnage, donc du coup... On va jamais poser la même question. C'est-à-dire que vous, à quatre autour d'une table, on fera pas le même parcours, on verra pas le même film au final. Et en ça, ça devient quelque chose qui est qui nous oblige à apprendre toujours, puisque il faut amener ça par l'image. En ce qui me concerne, moi, qui suis quelqu'un de l'image, il faut que je trouve les bonnes images, que je trouve les bons moyens pour raconter ça en image. Donc là, je suis obligé d'apprendre. Et je dirais que c'est encore différent d'un film de cinéma, ou de même si on imaginait qu'un film de cinéma puisse mélanger l'image fixe et l'image animée, au-delà de ce mélange fixe et animé, c'est vraiment de narration visuelle dont on parle. C'est-à-dire que c'est... moi, je suis encore obligé à certains moments de me poser la question en me disant, mais comment le directeur artistique qui va chapeauter tout le projet et qui va le mettre en forme dans un site web, de quoi il va avoir besoin? Est-ce que pour rentrer dans ce café, pour venir nous filmer tous les deux, est-ce qu'il va rentrer par la porte? Est-ce qu'on va rentrer par là? Et s'il rentre par la porte, comment on fait visuellement? Donc là, ça oblige à apprendre tout le temps, parce que c'est jamais la même chose. Et que, évidemment, il s'agit de jamais refaire ce qu'on a déjà fait. Donc c'est de trouver d'autres moyens. Alors on peut y rentrer avec une caméra sous forme de travelling, on peut y rentrer aussi en photo image par image, on peut peut-être y rentrer par l'intermédiaire d'un personnage ou par l'intermédiaire d'un indice dans lequel on va zoomer, puis tout d'un coup on arrive, on fait une ellipse. Enfin, voilà, il y a 1000 façons. Voilà. Je crois savoir que vous servez de script pour raconter ces histoires-là. Qu'est-ce que c'est qu'un script ? À quoi ça sert ? Alors en fait, moi, le script, je vais reprendre l'exemple de Prison Valley, qui est un très très bon exemple. Puisque, avec David Dufresne, on a réalisé 2 voyages en Colorado pour raconter cette ville entourée de prisons. On a fait un premier voyage en juin, au mois de juin 2010, qui était un voyage finalement surtout basé sur les interviews. Il fallait qu'on interviewe le maximum de personnes pour avoir le fond de l'histoire, pour vraiment sentir la ville. Et puis on a fait un deuxième voyage en septembre, pour l'image, pour raconter tout ça. Donc là, qui était consacré essentiellement à l'image, avec beaucoup moins d'interviews et surtout de l'image et du son. Et entre juin et septembre, il y a eu l'écriture, la narration de Prison Valley. David a beaucoup écrit, on en a beaucoup parlé, etc. Et moi, je me suis occupé de dire, voilà, ça, je pense qu'on pourrait le raconter de cette manière-là. Et c'est là où le script intervient, c'est qu'on n'a pas fait de storyboard comme on peut faire dans un film de cinéma, par exemple. Mais c'était quasiment pareil, c'est-à-dire qu'on savait à peu près que pour rentrer dans la prison, pour emmener le spectateur vraiment en immersion dans la prison, qu'un petit travelling latéral, ça pourrait amener cette espèce de... Voilà, cette émotion, on va dire, et l'émotion, on sait bien que c'est vrai dans le cinéma, c'est vrai dans la littérature, l'émotion nous transporte. Et c'est ça, en fait, où le script, pour moi, est important, c'est d'écrire, en fait, c'est d'écrire ça. De l'écrire quelque part, sous forme d'un dessin ou dans un cahier, ou se dire, tiens, aujourd'hui, on va travailler sur... on va faire cette arrivée-là. Et sur Fort McMoney, pour reprendre un projet beaucoup plus récent, David avait un carnet, et on savait que le mardi, il fallait qu'on fasse l'arrivée chez Monsieur Intel, l'arrivée à tel endroit. Tout ça, c'était écrit, donc... En ça, c'est voilà, c'est, la narration est quelque part elle est écrite, même si elle peut s'improviser sur le terrain, il faut quelque part qu'elle soit écrite à l'avance, au moins qu'elle soit préécrite. Après, on peut transcender, parce que là, en l'occurrence, on n'est pas en fiction, on reste dans le champ du documentaire. Donc ça veut dire la grosse différence, c'est qu'on
on peut se laisser surprendre plus facilement. Et c'est le but. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour la magie du documentaire. On rencontre une personne qui s'avère être totalement inintéressante, et puis on en rencontre une autre qui ne paraissait pas terrible au téléphone, qui s'avère être très intéressante, qui nous fait rencontrer une autre personne qui n'était pas du tout prévue. Et donc on y va, et cette personne nous emmène dans un endroit qui n'était pas du tout prévu. Et c'est ça la magie du documentaire. Et c'est comme ça que se déroule la plupart des projets. Et ça, on ne peut pas le préécrire. Mais il faut quand même avoir quelque chose d'écrit au départ, parce que ça permet d'être plus solide. Ça permet d'être, ça permet de se dire, aujourd'hui, si je rencontre personne, je sais que j'ai au moins ça à faire. Voilà, c'est tout. Et, parce que sinon, on peut très très vite se laisser... moi, je suis quelqu'un qui est vite contemplatif. J'aime bien observer les choses. Donc, je peux très vite me plaire à me poser à un coin d'une rue avec un appareil photo et à attendre qu'il y ait quelque chose qui me parle. Moi, ça, je sais le faire et j'adore faire ça. Mais je suis obligé de me faire violence et donc d'écrire un petit peu à l'avance, parce que sinon, j'avance pas. Voilà. Le script, c'est ce qui permet de un peu organiser son travail, c'est d'avoir une boussole, de savoir où, c'est ça, où on va, tout en sachant qu'en route, ben, on va s'adapter à ce qu'on rencontre. Exactement. Mais dans Prison de Valais, au moins, vous aviez aussi prévu que le spectateur puisse, après le visionnage de votre web documentaire, avoir la possibilité sur un forum de discuter avec vous, de vous poser des questions, vous faire part de vos remarques, et vous vous engagez à répondre aux remarques qui vous seraient faites. Bien sûr. Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé, c'est quelque chose qui est à la fois formidable, à la fois très, voilà, très, très chronophage, pour reprendre l'expression dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est de se dire finalement, déjà si on reprend la grosse différence entre un documentaire qu'on réalise pour la télévision et un documentaire qu'on réalise pour l'Internet, pour le web, la grosse différence, c'est que les gens qu'on rencontre sur le terrain, les gens qu'on filme sur le terrain, ils vont obligatoirement avoir accès au web documentaire, puisqu'il est mondial par définition, puisqu'il est Internet. Alors que la télévision, si on fait un film pour France Télévisions ou pour Arte, bon, à moins d'habiter proche de la France ou d'avoir un énorme satellite, les gens ne le verront pas. C'est-à-dire, les gens du Colorado ne l'auraient probablement jamais vu, à moins que ça ait été racheté par une chaîne américaine. Ça, c'est une grosse différence. Ce qui fait que finalement, donner la possibilité aux gens de réagir après visionnage, c'est une certaine manière de se mettre en danger, nous. C'est-à-dire que le journaliste s'en remettre au jugement des autres. C'est-à-dire que si on raconte n'importe quoi, on va avoir des retours. Les gens vont nous dire, mais attendez, moi, j'ai jamais dit ça. Donc, ce qui est formidable d'un côté, c'est que c'est aussi une preuve que le travail a été respecté, enfin qu'on a respecté les gens, puisqu'on n'a pas eu réellement de gens qui nous ont dit ça. Après, il y a des gens qui n'ont pas aimé du tout, ce qui est tout à fait normal, puisque on a dans cette ville du Colorado qui est entourée de 14 prisons aujourd'hui, elle est juste à côté des Rocheuses. C'est une région magnifique. Mais nous, on n'a pas filmé les beaux paysages. On n'était pas là pour ça. On n'était pas là pour faire un dépliant touristique. On était là pour parler du problème de la prison. Et les gens sur place n'ont pas compris. C'est-à-dire, vous montrez que le mauvais côté de notre... Parce qu'on est venu pour ça, c'est notre métier. Voilà, c'est ça la différence. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces forums qu'on a proposés après visionnage, ça a permis cet échange. Ça a permis cet échange avec les gens sur place, mais ça a permis aussi à des internautes, ou des spectateurs qui ont regardé le documentaire, d'interagir avec des personnages du film ou même avec d'autres spectateurs du film. Donc ça crée comme ça des débats. Et on a même poussé on a poussé plus loin parce qu'on a organisé à l'époque tous les jeudis des débats en France sur la prison avec le secrétaire d'État à la justice, enfin voilà, des gens assez importants. Pour essayer de faire avancer les choses, pour essayer de parler de la prison tout simplement, parce que c'est pour ça qu'on a fait ce projet à l'époque. Voilà. Mais pour autant, malgré le succès en termes de nombre de gens participant à ces discussions-là, c'est pas quelque chose que tu es prêt à recommencer, d'offrir cette possibilité-là ? Alors, c'est-à-dire que moi, je suis quand même... je suis quelqu'un qui fait de l'image. Je suis un photographe et je tiens aussi une caméra parfois et j'ai besoin d'être sur le terrain. J'ai un mal fou quand je ne suis pas sur le terrain. Donc, à l'idée de dire que je vais être obligé de rester 2 mois derrière mon ordinateur à répondre à des gens,
je peux pas. Pour moi, c'est beaucoup trop d'efforts. J'ai besoin d'être sur le terrain. Voilà. Mais je pense que c'est quand même, malgré tout, un moyen formidable et extraordinaire de communiquer par rapport à son projet, par rapport à l'histoire qu'on a voulu raconter. Et puis, c'est aussi quelque chose qui peut permettre, comme tous les échanges dans la vie, ça permet de grandir, ça permet de s'ouvrir, ça permet peut-être de faire différemment la prochaine fois, etc. D'écouter aussi les critiques. C'est important. C'est important pour essayer de faire mieux la fois d'après. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Donc, je ne le referai pas de façon assidue, mais j'en ai. Je suis persuadé que c'est très intéressant d'avoir ce type de forum. Sur quel terrain travailles-tu aujourd'hui ? Quel est le sujet sur lequel tu travailles ? Un nouveau projet ? Alors là, Fort McMoney, ça s'est fini quand même assez récemment. C'est en ligne depuis peu de temps. J'ai fait l'année dernière un autre web documentaire en France qui s'appelle Le jeu des mille histoires, avec Upian, toujours, Alexandre Brachet. C'est un documentaire sur le jeu le plus ancien de la radio française, un jeu nomade. C'était un prétexte pour visiter la France, voilà, pour revisiter la France, on va dire. Donc ça m'a pris aussi beaucoup de temps. Et c'est vrai que j'ai mené ces deux projets de front l'année dernière, et j'ai eu un petit peu de mal à me relancer sur une autre idée tout de suite. Donc pour l'instant, je suis en recherche. J'ai presque trouvé une idée sur la France, mais je me suis aperçu que d'un point de vue économique, tout simplement, il fallait que je mène deux projets en même temps dans l'année, sinon je ne peux pas vivre. Voilà, tout simplement. Et une dernière question, Philippe, pour conclure notre discussion. Aux participants du cours de la World Press Photo Academy, est-ce que tu pourrais leur donner un conseil en matière de script, d'écriture d'un scénario ? Alors moi, je pense que si j'avais un conseil à donner, il y a peut-être deux choses. C'est que la première chose, c'est que quand on prépare un projet multimédia, il faut qu'on soit certain d'avoir la bonne histoire. Ça, c'est vraiment primordial. Je pense que toutes les histoires ne se prêtent pas à de grands web documentaires. Quand je dis grand, c'est en termes de contenu, hein. C'est pas en termes de qualité, bien sûr, c'est en termes de contenu. Je pense qu'il y a des histoires qui se prêtent à des narrations linéaires, simples, avec des photos et du son. Je pense qu'il y a des histoires qui méritent peut-être d'avoir plus d'interactivité, puisque voilà. Et donc, une fois qu'on a trouvé ça, je pense que si j'avais un conseil à donner, ça serait de continuer toujours à lire et à regarder des films, parce que c'est comme ça, finalement, qu'on comprend, on apprend comment se crée une dramaturgie. Parce que même si on est dans on n'est pas dans la fiction, qu'on est dans le documentaire ou dans le journalisme pur, il faut quand même, quand on raconte une histoire multimédia, créer une sorte de tension, créer une dramaturgie, donner envie à la personne de rester sur l'objet en question. Et pour ça, il faut des moments forts, des moments faibles, etc. Donc, je pense qu'il faut peut-être rester un peu humble et ne pas essayer de mettre que les meilleures photos, de faire les meilleures photos. Évidemment, il faut essayer de faire les meilleures photographies possibles, mais il faut aussi faire des photographies qui ne sont pas forcément les meilleures, mais qui vont être utiles à l'articulation de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des photographies, comme dans un livre, il y a des pages plus faibles que d'autres, comme dans un film, il y a des moments plus faibles que d'autres, mais justement, un moment très fort, et souvent très fort, parce qu'avant, il y a eu un moment un peu plus doux. Et donc, il faut arriver à doser tout ça, c'est une vraie gymnastique. Je pense que ça vient naturellement à force de lire et de regarder des films, et je pense que c'est comme dans la musique, et comme dans toute forme d'art et d'expression. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, primordial. Donc vraiment, ne pas avoir peur le plus grand conseil, c'est de penser toutes les images, et ne pas seulement penser les bonnes images, ne pas seulement penser l'image qui va recevoir le prix, qui va pouvoir nous rapporter le WordPress photo, par exemple. Pas penser qu'à cette image-là, mais penser à toutes les autres images.